Aujourd'hui, on va faire de l'ASMR. Non, je rigole. Aujourd'hui, les gars, on va espionner des inconnus sur Fortnite. Et c'est donc pour cela que je me suis déguisée comme Catwoman qui est juste ici. Il y a un petit air de ressemblance quand même. Du coup, bah, c'est parti pour faire ça. Mais avant ça, n'oublie pas de mettre le code Blondine dans la boutique. Voilà, je compte sur toi, toi qui es juste là, derrière la caméra. Oui, je te vois. Ah, je t'ai touché le nez. Voilà, t'es obligé de mettre le code créateur Blondine dans la boutique maintenant. Allez. Dépêche-toi. Du coup, les amis, c'est parti. Regardez, là, je ressemble vraiment à Catwoman avec ce petit coussin chat. Et en plus, c'est hyper confortable. Non, c'est faux. C'est vraiment horrible. C'est parti pour aller à Rocky Hills, pouvoir surveiller des inconnus. Et bien sûr, faire des kills. C'est pas parce qu'on espionne tout le monde qu'on ne fait pas de kills aujourd'hui. Hein. Bien sûr, le but est quand même de faire top 1. Bon, bah déjà, il y a énormément de monde. Donc, on va essayer d'atterrir furtivement. Ouh! Ah! Ah! Bon bah là, la furtivité n'est pas bonne, hein. Eh! Non, le pète! C'est bon, il est mort! Il est mort! Bon, c'était furtif, mais pas trop. Là, 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 il y en a un. Non, d'une pipe, hein. C'est bon, il est mort. Ah non, il m'aura pas, hein, celui-là. S'il pense qu'il va m'avoir, il peut toujours courir. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet accent en belge? Ça, c'est quand je stresse. Je stresse! En plus, je suis vraiment pas bien mise avec ce coussin. Mais bon, au moins, on ressemble à Catwoman. On ressemble à Catwoman. Mets en commentaire si je ressemble à Catwoman. Allez, let's go, c'est parti. J'entends qu'il y a quelqu'un d'autre. On va essayer qu'il ne nous voit pas. C'est bon, je l'ai eu. Eh bah décidément, le mode furtif nous va bien. Ça fait déjà 3 kills, les gars. On a très très bien commencé. Bon, du coup, c'est parti. On va continuer à se cacher et à espionner les gens. Bon, c'était pas vraiment de l'espionnage, mais en même temps, j'ai été pris sur le fait aussi. Hein. J'ai pas vraiment eu le temps de me cacher et d'espionner. Donc, on va essayer de faire ça autrement et surtout de respecter notre challenge du jour. Y a-t-il quelqu'un dans les parages? Oh! Ouh, le beau coffre légendaire. Qu'est-ce qu'on aime, ça? Allez, c'est parti. On va aller chercher. De toute façon, il est pas loin, il est juste à côté, Blondine. Ok, bon, on part sur une arme que j'aime pas du tout. Hein. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, Blondine. Ça sert à rien d'être triste. Vaut mieux garder le sourire et se battre pour quelque chose de plus important, c'est-à-dire faire top 1. Voilà. Bon, les gars, faut quand même se dire quelque chose. Je sais pas comment je vais espionner ici, hein, parce que là, je vois personne. À mon avis, pour pouvoir bien espionner, on va plutôt aller sur un sniper. Voilà, comme ça, je vais pouvoir me cacher en hauteur quelque part et pouvoir vraiment profiter de la vie qu'on nous donne pour pouvoir, bien sûr, viser les gens sans qu'ils nous voient et bien sûr, les espionner pour voir ce qu'ils font. Hein. C'est ce qui nous intéresse également. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour nous intéresse également. Regardez. Siri s'allume tout seul. Voilà, ça arrive souvent. Siri, il aime bien parler, il aime bien montrer qu'il est là. Merci Siri. 10 seconds later. Alors, que se passe-t-il là-bas? Mais je sens que ça tire, mais je ne vois personne. Il n'y a pas grand-chose à voir, donc je vais quitter ma tour de princesse. Et je vais redescendre, bien sûr, pour pouvoir chercher du monde, quand même. Hein. En fait, ce qui serait bien, hein, c'est que j'arrive à suivre un ennemi sans qu'il m'en... Ah ben voilà, je le sentais, hein, à sauter d'aussi haut. Catwoman, qu'est-ce que tu me fais, là? Donc je disais, ce qui serait bien, c'est de pouvoir suivre quelqu'un sans qu'il ne s'aperçoive de rien, en sachant que, bah, ça va être compliqué, vu que quand il y a un ennemi tout près, on l'entend. Mais c'est pas grave, justement, c'est ça le but. Allez, let's go, c'est parti. On est quand même déjà à 3 kills, hein, dont un kill en mode furtif. À mon avis, les gars, si je reste caché à cet endroit-là où il y a les pouvoirs de Dragon Ball, il y a moyen que je puisse surveiller quelqu'un. Et on a un buisson juste là, c'est parfait. C'est perfect. Oh, vite. Ok, c'est bon, on nous a pas vu. On va pouvoir espionner. Là, on a quelqu'un, regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, on va essayer de le suivre. On essaye le challenge. Pour l'instant, c'est réussi, il nous a pas vu. Je vois qu'il va par là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, enfin, il se provoque un auto-accident. Bon, allons voir ce qui se passe. 5 minutes later. Oh bah mince, on l'a perdu de vue. Ah! J'ai retrouvé la voiture. Elle est là-bas. On va tirer dessus, hop, pour qu'elle explose encore plus. Comme ça, on fait diversion et on se faufile derrière l'amateur. Il est où? Là, là, là. Oh, il nous a pas vus. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Oh! On est dans le caca. On n'est pas furtif, là. Ok, c'est bon, je l'ai eu.
C'était très beau d'ailleurs. Et là, on en a un autre. Mais non, mais j'ai été pris dans un... Du coup, les amis, c'est parti pour une deuxième partie. Cette fois-ci, j'ai retiré mon coussin chat pour être beaucoup plus concentré et beaucoup mieux. Parce que là, vraiment, ça allait pas du tout. Donc là, on va dire qu'on part sur quelque chose de simple, de furtif, hein, toujours. On va continuer à se cacher et à tirer dans des coins assez farfelus pour éviter qu'on nous trouve et qu'on nous voit. Furtif, Blandine, furtif. Allez, sois discrète. Voilà, ça, c'est très discret, c'est très bien. Furtif, furtif. C'est bon, il nous avait pas vu. Alors attendez, parce qu'il y en a un deuxième juste ici. On va le prendre furtivement. Et ça fait 2 kills, c'est parfait. De nouveau challenge. Bon, là on va dire à moitié réussi, hein. Il savait que j'étais là le coco. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a essayé. Pour l'instant, on est quand même à 2 kills. Je suis confiante. Ah, là il y a quelqu'un. Alors moi je propose qu'on se cache derrière le cactus. Furtif, Blandine, furtif. Ah, il nous a pas vu tout de suite, c'est très très bien visé, on a quand même un très beau tir dans la tête. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre? Moi, je propose qu'on prenne de la hauteur pour voir, parce que bon, sinon, on est quand même pas très bien. Allez, c'est parti. Hop, on prend de la hauteur et on se bat, parce qu'on est plus fort que tout. C'est pas vrai, on est les plus nuls, mais c'est pas grave. L'espoir fait vivre, comme on dit. J'entends quelqu'un. Il faut être furtif. Il est où? Je vois où il est. Je sais où il est. Allez, essaye de monter. Hein. C'est Julie. Elle se venge encore parce que je l'ai pas prise comme dans l'autre vidéo. Voilà, Julie. Bon, au moins, ça nous fait un 4e kill. Voilà, c'est gratuit, c'est facile. Bon, allez, c'est parti. Moi, je propose, on va en haut de ce rocher. Voilà, on reste là et on admire. C'est furtif, on va y arriver. Oh mais mince, hein. 346 minutes later. Ouais, y a... Ah non, 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 il y a trop de fight. Il y a trop de fight. Moi, je me cache ici, c'est très bien. C'était pas furtif, ça. Amis, comment vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui je suis triste, anéantie parce que je vous ai fait une promesse mais que je ne sais pas la tenir. Je suis clairement dans une malédiction du non top 1 sur Fortnite. Je ne sais pas comment y remédier. C'est comme ça, c'est la vie, je suis vraiment désolée. Et j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu rire un tout petit peu, du moins sourire un peu. Et bah voilà, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous de Catwoman, de Wish.